Mignan se finisse. Pourtant, la fumée, voilà, c'est parti. Parce que je le disais... Que ce soit une page qui se tourne, c'est vrai que c'est une histoire qui se réécrit. Alors que le premier but pour le Sporting. Il est hors-jeu. La position de hors-jeu, Spouzade. On coupera au montage. C'est l'action là de Benji Santel qui talonne pour Alfarel. Alfarel entre deux, s'il peut la sauver, c'est fait. Il va frapper, Alfarel a dévié. Et la belle ouverture, Pasqua, pour Santel. Allez, rentre dans la obligé surface. De se décaler. Il va rentrer. Sur son pied gauche. Il va le mettre. Bien joué. Oh, c'est bien joué. Ouais. Tout le temps. On réussit à porter le Sporting là où il est aujourd'hui. Le corner excentré du Paris FC avec une tête. Oh, le premier but. Toupa, non, il garde. Il va frapper. Non, il va décaler sur le côté gauche. Alfarel. Vas-y, centre bien. Mais piégé. Ballon Rigapiado. Récupéré par Bianchi. Une fois, deux fois. Elle est touchée. Corner. Elle est touchée au blessé. Et donc, il aura cette chance de dire au revoir sur la pelouse. Et ça, bon, voilà. À vous aussi. Alors que les Bastiais sont à l'attaque. Ouais. Les Bastiais tournent autour. Bon, Paris est une bonne équipe, hein, Jean. Et c'est peut-être encore là, il s'essaye. Roncaglia, retourné. Allez, la frappe. Mais c'est plus comme avant. Les joueurs sous contrat, ben, ils partent pas. Oh, la belle ouverture. Oh, du coup, allez, le pénalty. Oh, il y a pénalty. Oh, il est allé le chercher. Gardez-le, il est allé le chercher. On l'a vu d'ici, Jean. Tendre le pied. Et c'est vrai qu'il touche le ballon. Quand le grand gardien. Nkambondia le touche quand même. Fali Biedje à la tribune. Fali Biedje. Et la patte au fond. Et il va justement devant la Pedrignani. Avec Santé, avec Bonner, avec Vincent. Voilà, on va fêter l'avant-destruction de la tribune Pedrignani. Fali Biedje. Achtiditelli au Sporting qui égalisait et couche au pénalty d'Alfarel. Décidé d'arrêter. Fin de cette première mi-temps. Et grâce à ce pénalty obtenu superbement par du nouvel entraîneur, la mi-temps redémarre. Pasqua. Les entraîneurs qui réclament ça. Ils veulent de la stabilité. Attention! Oh, Gabada! Et l'arresto magnifico di Johnny Placide. Qui s'est envolé là sur cette tête d'Adama Camara, le numéro 17. Elle est bonne pour Vincent. Allez, rentre un pénalty. Vincent dans la surface. Vincent revient en retrait, piégé. Là voilà la frappe de Bonner. Elle est contrée. Allez, faire un forage. Allez, encore. Alfarel va frapper. C'est dommage. Au-dessus. Il faut choisir. Le centre. La tête de Chambonnier. Quel beau centre de Tommy. Bravo. Centre de Tommy. Reprise de la tête déviée de Charbonnier, les deux entrants qui ont failli passer et j'en ai à deux. Et voilà, Sbaratsem. Allez, peut-être qu'il va la prendre. Oui, il l'a prise. Maribou, il l'a prise. Il va la mettre. Tommy. Bravo, dommage. Bien joué, Coco. Bien. Ugorciu, Félix Tommy. Quel effort magnifique. Ugorciu, Félix Tommy, Pasqua. Ouais. Et Andada pille en ballon di Gabba, Mezzuderen sur le dernier défenseur. Il aurait pu pousser son action, il a préféré lober, ça passe à ça, à Oulavoya. Ah, franchement, ça aurait été beau qu'il marque, c'était pour récompenser son effort, parce qu'il est parti de sa surface, Jean-Aurélie, magnifique, soirée. Un super souvenir. Et ça repart pour les Bastiais avec Charbonnier dans la surface, une fois, deux fois oh, pour Vincent, caviar. La voilà, oh, le gars. Oh, le gardien, aux gens. Qui nous enlève ce ballon. Ça, il nous fait fermer nos gueules. Hein. On a trop dit de mal de lui, Pasqua. C'est ta faute. Du bout du point, Nkambondia au corner. Le corner de Alfarel, repris par Benji. Oh, tête punaise, bien joué. C'est fini. Johnny Placide. Non, c'est fini. Monsieur Le Sage ne fera jouer que 4 minutes dans ce match. Et il sanctionne cette rencontre entre le Sporting et le Paris FC.